Bah, j'ai le plaisir de lancer le dernier talk de la journée. Comme vous le savez, comme on vous l'a dit ce matin, on a lancé un track responsable cette année. On en est très content. Et donc, pendant cette prochaine heure, on va vous faire réfléchir un petit peu aux limites de la technologie. On va vous poser, vous allez vous questionner sur est-ce qu'on doit toujours innover de plus en plus, accélérer de plus en plus, développer de plus en plus de produits, complexifier de plus en plus le monde. Voilà, question. Pour répondre, en tout cas pour débattre de cette question, Aurélie va jouer la journaliste ou l'intervieweuse. Aurélie Gauthier, donc fondatrice de Aspark Consulting. Et elle va interviewer Philippe Biwix, qui est directeur général de la REP et qui a écrit des ouvrages sur la cause environnementale, notamment l'âge des low-tech, il y a 10 ans déjà. Donc je pense qu'en termes de perspective, on pourra avoir des choses intéressantes. Moi c'est tout, j'arrête, je leur passe le micro. Bonsoir à tous, bonsoir. Ça bonsoir, va ouais, très bien. Alors, petite question pour commencer. Qui est cornucopien dans la salle? Arrêtez de mentir, il y en a au moins un. Personne, c'est cornucopien, pas possible. Vous savez? Ouais. Non, vous ne l'avez pas? Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Enfin, Philippe va vous expliquer. Qu'est-ce que le cornucopianisme? Alors, ça remonte à il y a très très longtemps, c'est de la mythologie grecque. Alors, vous connaissez le dieu Chronos, pour le coup, le dieu du temps? Voilà, ça y est, je sens que ça repart là. Alors le dieu Chronos, en fait, il avait une très mauvaise habitude, parce qu'on lui avait prédit qu'un de ses fils allait le détrôner. En fait, c'était le roi des dieux. Donc il avait une mauvaise habitude, c'était qu'il mangeait ses enfants à la naissance. Bon. Donc du coup, sa femme, la déesse Rhea, n'était pas très contente. Et quand le petit Zeus naît, elle fait une ruse, elle emmaillote le petit Zeus. Enfin, elle emmaillote une pierre au lieu d'emmailloter Zeus. Et puis du coup, Chronos n'y voit que du feu, il boulotte la pierre et Zeus va être élevé en Crète avec une nymphe, une chèvre à Malté qui va le nourrir de son lait. Et puis le petit Zeus, qui est déjà bien vigoureux, il attrape une corne de la chèvre et il casse une corne de la chèvre. Et pour se faire pardonner, il va dire que cette corne va toujours abonder en fruits et en fleurs. C'est la corne d'abondance, cornucopiae en latin. Donc le cornucopianisme, ou être cornucopien, eh bien, c'est penser qu'on va aller vers un monde d'abondance grâce à la technologie. Alors c'est un vieux concept, hein, parce que ça démarre presque au XVIIe siècle avec Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide. C'est le premier qui va théoriser l'application des sciences, l'application des connaissances humaines dans tous les domaines, dans toutes les techniques, et que ça va amener quelque part le bonheur du genre humain. Et il va comme ça décrire cette île magique de la Nouvelle Atlantide. Et sur sa recommandation seront créées les académies royales des sciences en Angleterre, en France, etc. Donc ça a plutôt bien marché, hein, parce que maintenant on a des smartphones, donc c'est quand même très efficace, la méthode de Francis Bacon. Et en fait, le cornucopianisme, l'idée qu'en fait on va toujours repousser les limites, qu'on va jamais avoir de pénurie, que l'être humain s'est toujours adapté, a toujours innové, a toujours trouvé des choses. Vous connaissez un peu ces blagues de comptoir, un peu sur le mode « Allez, c'est bon, on n'est pas sorti de l'âge de pierre par manque de silex, arrête avec tes histoires. » Bon, cette idée-là, hein, ou alors il y a 60 ans, il y a 50 ans, le club de Rome nous disait déjà qu'on n'allait plus avoir de pétrole dans 50 ans. Ben, regardez aujourd'hui, non seulement on en a encore plein, mais on en a même trop pour le climat. Et donc cette idée un peu de l'illimitisme, on pourrait dire aussi, un peu porté finalement aujourd'hui par des grandes figures de la tech aussi, hein, on pourrait dire Jeff Bezos qui nous dit qu'on va aller dans la Lune parce qu'il n'y a pas assez de ressources sur Terre, donc on va aller les chercher dans l'espace, Elon Musk, etc. Et donc c'est ça le cornucopianisme, un peu une maladie dont on est tous atteints collectivement, quoi, sans le savoir. Alors du coup, qui a déjà été même un peu cornucopien dans sa vie? Ok. Ça me semble plus proche de la vérité. Et tous les autres, bon, ouais, on va vous accorder le bénéfice du doute. Mais alors, donc, toute cette histoire de mythologie et le rapport avec la tech, c'est quoi? Alors j'y viens, c'est qu'effectivement, moi je ne suis pas cornucopien, moi je suis plutôt du côté des doomsdayers, disaient les Américains. À un moment, il y a eu un débat entre les années 50 et les années 70, dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a des écolos, un peu lanceurs d'alerte, on pourrait dire, qui se réclamaient de Malthus d'ailleurs, ils se disaient néo-malthusiens sans être péjoratif de ce point de vue-là.
Et il disait, bah, c'est pas possible, quoi. On est de plus en plus nombreux et en plus on consomme de plus en plus par personne, on va faire péter les limites planétaires. Alors, il disait pas tout à fait ça comme ça, mais c'était cette idée-là. Et très vite en face, il y a eu des économistes, des prospectivistes, etc., qui ont dit, mais non, c'est le contraire. En fait, l'énergie est en train de devenir gratuite. On a inventé l'énergie atomique, enfin, on a mis au point l'énergie atomique. On va tous avoir des voitures volantes, des fusées unipersonnelles. Les pauvres seront obligés de se déplacer en jet hypersonique parce qu'ils n'auront pas de quoi se payer leur fusée personnelle. C'était des choses qu'on écrivait très sérieusement dans des rapports de prospective des années 50. Est-ce que tout le monde est OK avec les limites planétaires? Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on... Levez la main si vous voulez qu'on développe un petit peu. Non, vous êtes déjà... Ça va, ça tombe bien parce que moi je suis pas première langue en limite planétaire, mais je vois à peu près lesquelles, le phosphore, tout ça. Alors moi, les limites en fait que j'ai vues, et je suis tombé dans ce bain-là il y a une quinzaine d'années, c'est la question des ressources en fait. Parce que finalement, bah oui, bien entendu, on est effectivement pas tombé en panne de tel ou tel truc, on a toujours repoussé les limites, c'est formidable. Mais il y a quand même un petit sujet, c'est le sujet de la consommation de ressources, le fait que finalement, notre vie, nos objets, etc., eh bien, ils sont basés sur l'extraction de ressources minières qu'on appelle non renouvelables. Non renouvelables, pourquoi ? Ben c'est le contraire peut-être des ressources en eau, des ressources peut-être de poissons, des ressources de l'agriculture si on n'abîme pas trop les sols et la biodiversité, des ressources de forêt. Tout ça, ça se renouvelle. Se renouvelle en une année ou en quelques années ou en quelques décennies. En tout cas, à l'échelle d'une vie humaine, ça se renouvelle, ou à l'échelle d'une civilisation humaine. Et puis il y a des choses, des stocks, le cuivre, le cobalt, l'or, ce que vous voulez. Bah ça, en fait, non, ça se renouvelle pas. Enfin, ça, bien, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais ça met très longtemps avant que des concentrations suffisantes pour qu'on puisse les extraire se forment. Ça peut mettre des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards d'années parfois. En tout cas, il y a certaines réserves qui viennent de ce monde-là. Et donc, finalement, eh bien, on est dans un monde qui est très matériel. En fait, on parle beaucoup de dématérialisation. Alors vous, dans la tech, dans l'informatique et tout, alors là, vous êtes hyper dématérialisé parce que vous faites carrément de l'informatique nuage et tout ça, c'est génial. Mais en fait, on n'a jamais été dans un monde aussi matériel en réalité. Et on n'a jamais extrait autant de ressources chaque année. On est même dans un... Vous savez, les économistes parlent de découplage, donc le fait qu'on peut faire de la croissance et puis peut-être que le CO2, l'énergie, ça pourrait plutôt baisser ou monter moins vite que la croissance économique. Et bien dans les ressources métalliques, on est en surcouplage. On extrait de plus en plus chaque année et à une vitesse qui est plus rapide que la croissance du PIB mondial. Donc c'est vraiment très impressionnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Ça veut dire que dans les 20 à 30 prochaines années, on va extraire plus pour tous les métaux que ce qu'on a extrait depuis dans toute l'histoire de l'humanité. Oui. Alors, c'est pas très dur à faire, hein. Ça s'appelle une exponentielle, une courbe exponentielle. Vous pouvez, la dernière période, elle prend toujours plus que toute la période avant. C'est le principe même de l'exponentielle. Donc, alors on pourrait se dire, mais oui, mais bon, c'est pas très grave tout ça, parce qu'en fait, l'idée c'est d'extraire une quantité suffisante pour effectivement alimenter l'industrialisation, l'urbanisation, la consommation, le fait qu'on puisse tous avoir, je sais pas, voilà, même tout terrien sur Terre, une lampe pour pouvoir faire ses devoirs et lire un livre le soir, par exemple, je sais pas. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va faire de l'économie circulaire, on va faire du recyclage. Et effectivement, les métaux se recyclent super bien. C'est ça, en fait, l'avantage par rapport au plastique. Par exemple, vous savez que les plastiques sont des polymères, des chaînes un petit peu longues qui finissent par se dégrader. Donc, à force de les recycler, il faut réinjecter un peu de matière vierge. Bon, pour les métaux, ça ne marche pas comme ça. C'est tranquille, hein. Un câble de cuivre, vous refondez le cuivre, vous refaites un câble de cuivre sans problème. Patatras, ça ne marche pas tout à fait comme ça. En fait, le recyclage est très difficile en réalité. On recycle très mal parce qu'on conçoit des objets de plus en plus complexes. Dans un smartphone, il y a 40 métaux différents. De l'espace de quelques milligrammes à quelques grammes selon les métaux. Tout ça, c'est très miniaturisé, c'est très intégré. La manière dont on recycle, en gros, c'est, je la fais courte, mais c'est je sépare l'écran, la carte, la batterie et je broie. Et puis après, on fait de la pyrométallurgie, de l'hydrométallurgie, un peu des trucs pareils que dans les minerais qu'on extrait des mines. C'est le même genre de processus, sauf que dans les mines, on extrait 2, 3, 4, 5 métaux différents d'une même mine. Là, extraire 40 métaux différents, bah, c'est un peu difficile. Il y a des incompatibilités métallurgiques, tout ça, c'est très difficile. Il y a des pertes au feu. Voilà. Et donc, à la fin, eh bien, en fait, dans beaucoup de métaux, et en particulier dans les métaux de la tech, ceux qui sont dans tous nos objets électroniques, voilà, du data center jusqu'au micro, en passant, voilà, etc. Il n'y a pas toutes les mêmes choses. Je vous fais grâce de la table de Mendeleïev. On la prendra dans les questions si vous voulez.
Mais voilà, cette idée que on a à peu près une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux de la table de Mendeleïev, notamment des métaux emblématiques des nouvelles technologies, donc les luminophores, les terres rares pour faire des couleurs dans les écrans, le tantale dans les condensateurs, enfin, etc., etc., et bien qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%, nous disent les scientifiques. Moins de 1%. Alors, les scientifiques sont prudents, hein, ça veut dire zéro, hein, en fait, dans la vraie vie. Donc voilà, c'est cette idée en fait que voilà, plus on technologise nos vies, plus on s'entoure d'objets complexes et en particulier électroniques, pas que, hein, les problèmes de recyclage, on les a aussi dans les voitures, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, d'une manière générale, eh bien plus on enrichit nos vies techniquement, eh bien plus on s'éloigne de l'économie circulaire et plus on tape vite dans le stock de ressources non renouvelables. On pourrait dire presque, peut-être, je ne sais pas, que ce smartphone se fera, c'est fait, au détriment du dentiste du 23e siècle. J'en sais rien, je me projette suffisamment loin pour ne pas vous faire peur. Mais c'est cette idée en fait, que voilà, chaque ressource extraite et qui ensuite va être mal recyclée, va être dispersée dans des mâchefers d'incinérateurs, dispersée dans l'océan parfois, parce qu'on utilise aussi des ressources voilà, pour des crèmes solaires et je ne sais pas quoi, et bien que du coup, voilà, on ne va pas savoir les récupérer. Ça, c'est quand même c'est très négatif tout ça quand même. Mon téléphone, il est de seconde main, Philippe. Déjà, je voudrais me défendre sur ce point-là. Non, mais la tech, c'est quand même, ça permet de faire plein de choses, d'apporter plein de services. Alors, il y a des choses qui sont peut-être plus importantes que d'autres. On va y revenir tout à l'heure. Mais côté IT, il y a quand même pas mal d'initiatives pour améliorer la situation. Vous avez entendu parler du Green IT, de l'Institut du numérique responsable. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de résoudre le problème là? Oui, alors je suis ingénieur, hein, je ne suis pas ingénieur défroqué, je continue à travailler comme ingénieur, donc je suis fasciné par le progrès technologique aussi, par la capacité d'un certain nombre de choses qu'on a pu faire. Je suis aussi fasciné par la bêtise dans la manière dont on utilise un certain nombre de progrès, si je puis dire, technologiques ou d'innovations technologiques. Mais donc effectivement, il y a eu une prise de conscience ces dernières années et ça a mené effectivement à plein de réflexions et d'envies des entreprises, etc., sur la sobriété numérique. C'est très bien, cette prise de conscience effectivement de l'impact environnemental. Alors l'impact environnemental, au passage, il n'est pas juste sur la consommation inéluctable de ressources rares, il est aussi sur la consommation électrique, bien sûr, c'est sans doute celle qui émerge en premier. Mais bon, on va dire pour faire simple, aujourd'hui, le secteur du numérique, il émet plus de gaz à effet de serre que le secteur aérien. Voilà, à peu près 1 milliard de tonnes de CO2 par an. Ça, c'est si on empile tout, c'est-à-dire les réseaux, la fabrication des téléphones, des équipements au sens large, le fonctionnement des data centers, etc. Alors, vous allez me dire tout de suite, bah oui, mais la différence entre l'aérien et le numérique, c'est le numérique, ça concerne peut-être, je ne sais pas, 4, 5, 6 milliards de personnes. Voilà, ça nourrit du monde, si je puis dire, alors que l'aérien, c'est une partie plus négligeable de la population mondiale qui en profite. Donc, finalement, bah, oui, quelque chose malheur est bon. On sait qu'il y a cet impact environnemental. Maintenant, travaillons là-dessus. Alors, il y a deux réponses, effectivement, que tu as mentionnées, Aurélie. La première, c'est le Green IT, on pourrait dire, donc c'est comment est-ce qu'on va abaisser la facture environnementale. Et puis l'autre, c'est, on pourrait dire, je ne sais pas si on utilise encore ces termes, j'avoue que je ne suis plus tout à fait connecté aux bonnes associations, mais il y a un peu le Green by IT, quoi. On disait un peu cette idée que finalement, oui, il y a un impact environnemental, mais c'est pour la bonne cause, et en fait ça va aider en numérisant quelque part un certain nombre d'autres secteurs, eh bien on va aider finalement à abaisser la facture environnementale. Alors dans le Green IT, les pistes sont nombreuses. Hein. Effectivement, on a des équipements qui sont assez robustes, consomment moins parce qu'il y avait un impact sur la batterie, donc on a arrêté de faire des trucs de plus en plus puissants parce qu'on cherchait aussi à avoir de l'autonomie. Il y a des trucs sur les réseaux, la 5G c'est incroyable, c'est formidable la 5G, hein, c'est dingue. Par octet d'information, ça consomme peut-être, je sais pas, 50, 100 fois moins par unité d'information. Que la 4G ou la 3G ou la 2G. Les data centers, maintenant, on améliore le power usage effectiveness, donc on essaye d'optimiser l'architecture, de mettre en veille une partie qu'on ne sait pas utiliser, de récupérer la chaleur fatale, de refroidir avec de l'eau froide plutôt qu'avec de la climatisation, donc plein de techniques. Super, sauf que tout ça est balayé. Et balayé par ce qu'on appelle l'effet rebond. Hein, donc l'effet rebond, c'est pas un truc nouveau, c'est arrivé au 19e siècle. Ça a été mis en lumière au 19e siècle par un économiste qui s'appelait William Stalage Evans. Donc c'était un économiste qui travaillait sur la question du charbon.
au Royaume-Uni. À ce moment-là, grande puissance, dans les années 1860, le Royaume-Uni exporte beaucoup de charbon et puis est la puissance mondiale. Et déjà, des voix s'élèvent, un peu des malthusiens, on pourrait dire, de l'époque, ils n'étaient pas assez cornucopiens encore, qui disaient, attention, à force de consommer du charbon, peut-être qu'on va plus en avoir assez, il faudrait peut-être réduire les exports, parce qu'on a besoin de charbon pour les décennies futures de l'industrie anglaise. Donc, ils s'emparent de ça. Et puis, ils rencontrent des fabricants, des concepteurs de machines à vapeur, et on se rend compte que les machines à vapeur consomment de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique. Parce que on améliore les rendements, on progresse, on comprend un peu les concepts thermodynamiques, de perte de chaleur, etc. Et donc ça s'améliore. Donc assez vite, il y a des gens qui disent c'est super, en fait, les machines vont moins consommer, donc on va baisser la facture de charbon. Et Jevons, il a cette fulgurance en fait, de se rendre compte qu'en fait ça ne marche pas du tout comme ça. Ce qui va se passer, c'est que si les machines à vapeur consomment moins effectivement de charbon, alors qu'est-ce qui se passe? Le travail mécanique va être moins cher, puisqu'il consomme moins de charbon. Si le travail mécanique est moins cher, il va y avoir plus de gens qui vont être intéressés pour prendre ce travail mécanique et remplacer quelque part du travail humain ou équiper des manufactures, des fabriques, etc. Et donc chaque machine va effectivement unitairement consommer moins, mais il y aura beaucoup plus de machines. Et donc, à la fin, la facture de charbon va augmenter. C'est effectivement ce qui s'est passé, évidemment, et c'est toute la trajectoire technologique de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est poursuivi par l'effet rebond. Toutes les entreprises adorent faire des choses plus efficaces, consommer moins d'énergie, consommer moins de ressources pour fournir les mêmes produits, les mêmes services, c'est évident. C'est bon pour la compétitivité, et en particulier en ce moment. Et pour la croissance par ailleurs. Donc c'est bien de trouver un truc où je vais consommer moins que les autres. Donc, une bonne partie du progrès technologique des dernières décennies, des derniers siècles, c'est effectivement de consommer moins. Aujourd'hui, produire une tonne d'acier, ça consomme bien moins d'énergie qu'il y a 20 ans ou 50 ans, et encore plus il y a 100 ans. Mais on est rattrapé par l'effet rebond. Et l'effet rebond, il est partout. Les voitures n'ont jamais consommé aussi peu par kilo transporté. Mais les voitures sont plus lourdes, sont plus puissantes. Voilà. Et on trouve ça partout. Et dans l'informatique, évidemment, dans l'IT, ça prend des proportions phénoménales. Parce que, évidemment, oui, les progrès, pour le coup, sont très, très importants. Et puis, on vous le promet même l'ordinateur quantique et je ne sais pas quoi. Mais en face de ça, évidemment, la quantité de données qu'on produit, qu'on a besoin de transporter, d'échanger, de stocker, de calculer, elle augmente de manière phénoménale. En gros, ça double tous les 18 mois, je pense. Et maintenant, je pense que ça va être même un peu plus rapide avec l'intelligence artificielle. Mais voilà. Et donc, du coup, en fait, on est rattrapé par ce sujet-là. Donc le Green IT, en fait, fonctionne pas très bien. Si, c'est de plus en plus green, mais on en consomme de plus en plus. Et donc, à la fin, la facture environnementale du numérique continue à augmenter. Quant au Green by IT, je vais le balayer d'un revers de main, parce que je sens que sinon, Aurélie, tu vas me stresser avec le timing. Non, on est bien, je ne sais pas. Aucune idée. Je suis très détendue, je me bien. Alors, le Green by IT, c'est une autre idée. Évidemment que depuis longtemps, en fait, c'est pas depuis 10 ans ou depuis 5 ans que le numérique, si je puis dire, a aidé à améliorer des process dans l'industrie, etc. Enfin, l'automation, la logique de capteurs et de contrôle de chaînes de production, d'acier, de ciment, de plein de choses, ça démarre dans les années 50-60. C'est pas du tout nouveau tout ça. Donc bien sûr qu'on peut compter sur un certain nombre de choses comme ça. Mais on a fantasmé un petit peu plus loin, en fait, une idée que, en numérisant le monde, on allait tout optimiser et qu'on allait faire, par exemple, des smart cities. Je ne sais pas si ce concept-là, qui est peut-être un peu en train de passer déjà, finalement, mais cette idée de ville intelligente où, grâce à plein de capteurs, finalement, et un peu de cybernétique, c'est ça, c'est cette idée-là, ça vient des années 50, qu'on allait pouvoir optimiser, quelque part, les flux, les consommations, qu'on allait avoir des immeubles qui produiraient de l'énergie solaire et puis qui chargeraient des voitures en sous-sol électriques qui, ensuite, renverraient dans votre cafetière à 18h au moment de l'hyperpointe de consommation d'électricité, une partie de son énergie. Et cette idée-là, en fait, elle est un peu faussée parce qu'on a une image très, très bizarre de la technologie aujourd'hui. On a pris une mauvaise habitude, en fait, avec les smartphones, avec Internet. Cette mauvaise habitude, c'est de se dire que finalement, il y a un truc qui est inventé, qui est dispo, qui arrive, qui sort de la paillasse quelque part du chercheur ou d'une entreprise. Et puis finalement, l'espace de 10 ans, on va le répandre sur le monde, finalement, de manière assez simple.
Hein, ça a pris 10 ans quoi, hein, de répondre à Internet ou de répondre à l'Internet mobile ou de répondre le smartphone et ses usages. Alors pas partout tout à fait, mais pas loin. Et du coup, maintenant, on se dit, bah, c'est super, en fait, à chaque fois qu'on a une techno, en fait, bah, ouais, c'est génial, on a trouvé un truc pour capturer le CO2 et pour le stocker en souterrain. Ah, on a trouvé, je ne sais pas quoi. Et en fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que l'Internet et le smartphone, il s'agissait d'empiler un système technique sur des systèmes existants, des systèmes logistiques, des systèmes énergétiques, des systèmes de transport industriel. Et là, en fait, c'est plus compliqué. En fait, la smart city ou la civilisation hydrogène, électrique, etc. Enfin, on peut prendre un peu toutes les promesses. Là, il s'agit de remplacer des systèmes techniques. Et en fait, on se confronte à l'existant des usines, à l'existant des villes. Voilà. Donc, avant de transformer Montrouge en smart city, vous voyez, même avec beaucoup d'envie, ben en fait, on va pas forcément réussir à le faire à l'échelle et à la vitesse à laquelle ça serait souhaitable de le faire, parce qu'on n'a pas forcément les moyens organisationnels, les moyens humains, les moyens financiers pour déployer ça comme il faudrait. C'est mon petit geste. Si je fais ça, c'est que... C'est le temps d'arrêter, ouais, okay. Non, mais en fait, là, on parle d'additionner. On additionne, on accumule comme des petits rongeurs des tas de choses, des tas de services, des tas de biens. On fait pareil dans l'IT, on fait pareil partout. C'est un peu le graphique de Jean Covici avec la consommation. Je dis de Jean Covici, mais c'est parce qu'il est connu, mais qui est repris partout avec... On n'a jamais réussi à remplacer une énergie par une autre. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle forme d'énergie, elle vient s'additionner et elle vient nous permettre d'accélérer la transformation du monde. Et donc, en fait, une fois, enfin, si je suis bien tout ton raisonnement, tu vas nous parler de sobriété un petit moment. En fait, du coup, c'est quoi la solution, en fait ? Non, mais c'est ça, oui, bien sûr. En fait, la bonne nouvelle, c'est que en particulier dans le secteur numérique, en fait, on pourrait diviser par, allez, je tente un chiffre, 100, l'impact environnemental. Et 100, je suis vraiment tranquille. Hein. C'est vraiment en prenant des marges de manœuvre de partout, en fait. Parce que le gâchis est tellement phénoménal et tellement immense qu'en réalité, on pourrait faire plein de choses. Alors, on pourrait faire quoi ? On pourrait travailler effectivement sur de la sobriété, d'abord. Et puis sur de l'éco-conception. Alors, sobriété, c'est sobriété du nombre d'équipements qu'on fabrique, de la vitesse à laquelle on les remplace, de l'obsolescence. Alors, ce n'est pas que de l'obsolescence technique, d'ailleurs, souvent, hein, dans le domaine numérique, c'est de l'obsolescence systémique. Hein, c'est de l'obsolescence entre hardware, software. C'est à un moment l'évolution des softwares qui fait que ça rend obsolète un objet qui techniquement fonctionnait encore. Ça peut être sobriété des usages quand on va parler des réseaux. Aujourd'hui, des réseaux. Alors, je vais juste prendre un exemple. Donc, moi, j'avais un peu mouillé la chemise sur la question du déploiement de la 5G, que je vous le disais tout à l'heure très efficace. Le problème de la 5G, c'est que évidemment, ça s'est empilé sur le réseau 2G, 3G, 4G. Donc, aujourd'hui, en France, pour organiser la concurrence, pour faire en sorte que vous puissiez choisir votre opérateur, on a 4 réseaux 2G, 4 réseaux 3G, 4 réseaux 4G, 4 réseaux 5G. Chacun a ses antennes, ses trucs. Alors, ils mutualisent un peu dans quelques régions, un petit peu, voilà, on va dire à la marge, un petit peu. Mais bon, pour organiser la concurrence, moi, chez moi, je n'ai pas 4 tuyaux de gaz, 4 tuyaux d'eau et 4 câbles électriques qui entrent. Ouais, on a décidé qu'il y avait des trucs, ça s'appelait des réseaux, et que les réseaux, c'était mutualisé. On ne met pas des routes en parallèle, on ne met pas des rails en parallèle non plus. Voilà, on mutualise les réseaux. Sauf dans les télécoms, parce que quelque part, la loi de Moore, hein, si je simplifie outrageusement, c'est pas la bonne manière de l'employer, mais c'est un peu cette idée. Voilà que finalement les gains sont tels que c'est pas grave en fait que d'avoir chacun le sien. Bah, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mutualiser les réseaux, avoir un unique réseau d'accès sur lequel tous les opérateurs monteraient, et bah, vous divisez par deux la facture électrique, par exemple. Après, la question qui va se poser effectivement sur les data centers, c'est en fait la quantité de données qu'on a besoin de déplacer et de connecter. Alors c'est l'usage de la vidéo, c'est l'augmentation des formats des vidéos. Hein. Aujourd'hui, on a des vidéos, on s'échange des vidéos dont on sait pertinemment que, avec les formats à lesquels on les regarde, eh bien, la quantité de pixels par centimètre carré ou par pouce carré, la quantité de couleurs et la quantité d'images par seconde, les trois, dépassent chacun la capacité de l'œil du cerveau humain. D'accord ? Ça ne sert à rien d'aller plus que 24 images par seconde, et ça ne sert à rien d'avoir je ne sais pas combien de millions de couleurs, et ça ne sert à rien d'avoir... Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait aller. Alors, il y a quand même des choses historiques. Hein. Si vous regardez Wikipédia, par exemple, Wikipédia, c'est des gens qui
au début au moins, n'avaient pas d'argent, pas beaucoup d'argent. Voilà, finalement, il n'y avait pas de vidéo sur Wikipédia, il n'y avait que des images basse résolution, il y avait surtout du texte, etc. Et donc, à la fin, Wikipédia en anglais, tout le savoir de l'humanité, je simplifie un peu en disant ça, je suis un peu provoque en disant ça, mais c'est pas loin, ça tenait sur deux CD, quoi. Hein, voilà, peut-être trois aujourd'hui, maintenant. Voilà, donc, c'est quand même un peu cette idée. Donc, la sobriété, on peut la trouver partout, on peut la trouver aussi dans la manière de concevoir. Alors, c'est dans la manière de concevoir les objets. Alors des objets qui sont plus simples, qui ont moins de fonctionnalités, qui ont moins de performance de calcul, parce que finalement, aujourd'hui, les performances de calcul, elles sont devenues beaucoup sur de la rivalité marketing, plus que sur des besoins réels. Mais ça peut être aussi sur les pages web, sur les logiciels. Hein, voilà, et on est devenu feignant un peu, même quand on développe, quelque part. On fait des copier-coller, des gros machins, avec des trucs qui traînent au fin fond, qui vont faire quelques erreurs de code au fin fond. Voilà, alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus sobres. Donc c'est un peu toute cette idée-là. Et puis, il y a une autre idée aussi que moi j'aime bien, alors ça va un peu avec ça fait écho avec la logique de sobriété, mais c'est ce que j'appelle le discernement technologique, le techno-discernement. C'est-à-dire, bah, finalement, se dire, voilà, la tech a toujours un impact. Voilà, un objet, mais même un objet même pas technique d'ailleurs, il aura toujours un impact. Il n'y a pas de repas gratuit, disait Barry Commoner, qui est un économiste un peu écologiste des années 70 aux États-Unis. Donc, voilà, on va extraire des précieuses ressources. Je vous disais tout à l'heure que les ressources extraites, elles seront probablement perdues pour toujours. Alors, nos paniques, hein, parce qu'en fait, il y en a quand même beaucoup, hein, des ressources. On peut toujours aller plus loin. Il va y avoir un peu de cornucopianisme, hein, pas de problème. On continue à progresser dans la manière dont on est aujourd'hui capable d'ouvrir des mines avec des ressources qui sont plus... avec des minerais qui sont plus pauvres, on va réussir à repousser les limites. Le problème, c'est que c'est en consommant sans doute un peu plus d'énergie qu'il faut faire des trous plus profonds ou des plus gros trous, hein, simplement. Et puis, il y a un impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément joli, joli. Par exemple, ce qui se passe en Indonésie avec les mines de nickel qui servent surtout dans les batteries de voitures électriques, mais voilà, c'est un exemple. Et puis, bah, demain, on ira peut-être, j'en sais rien, en Antarctique, dans les nodules polymétalliques sous-marins. Enfin, voilà, ça va être un peu horrible. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de quantités. Mais quand même, voilà, d'un point de vue... Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut changer pour éviter la pénurie dans 25 ans, dans 15 ans ou dans 40. Pour moi, c'est presque une obligation morale. En fait. C'est de se dire, voilà, c'est pour éviter ou réduire la pénurie de quelque part dans le futur, des vraies, vraies bonnes pénuries. Quoi. Et donc, du coup, de se dire, j'extrais ces ressources, je les incorpore dans les objets, mais bon Dieu, pourquoi faire ? Et donc, de se poser la question, de se dire, bon, ben voilà, finalement, il y a des usages dont on pourrait se dire, bon... Bah ouais, c'est quand même vachement pratique, je sais pas, le robot assistant chirurgien, l'IRM, la radio numérique chez le dentiste, ça c'est quand même des trucs cool, hein. Enfin, le dentiste des années 70, t'as pas dû connaître, moi j'ai connu, c'était quand même vraiment pas sympa, mais voilà, aujourd'hui c'est quand même, bon, ils ont progressé sur les anesthésies, mais bon, voilà, il y avait quand même, aujourd'hui on arrive à faire des choses plus voilà, ça, bon, voilà, j'ai pris des usages médicaux, évidemment, parce que c'est un peu les... Ils sont un peu, c'est souvent ceux qui sont un peu incontestables. Vous savez d'ailleurs, la 5G, au début, on nous a dit que la 5G, c'était pour faire de la chirurgie à distance. Puis après, on a dit, mais c'est pas possible, même si le chirurgien est à distance, il faut une salle de réveil, un anesthésiste, des infirmiers. Je dis, ah oui, mais non, mais alors c'est, oui, vous avez raison, c'est pour l'industrie. Bon, mais quand on vous dit, voilà, il y a toujours un peu ça, quand on veut arrêter le transport aérien, les jets privés, au début, on vous dit, c'est pour transporter des cœurs et des reins. Hein, donc, et puis après, on vous dit, oh, bon, c'est un peu cette idée-là. Donc, le médical, on pourrait dire, même si le médical, on pourrait dire, il y a des limites aussi. Est-ce qu'on va augmenter les êtres humains ? Est-ce qu'on va se planter des puces dans le cerveau ? Tout ça, donc on pourrait dire, il y a peut-être des usages médicaux qui eux-mêmes pourraient être contestables, mais admettons et simplifions, disant que c'est OK. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, bah, il y a le distributeur de croquettes pour chat connecté. C'est pas le chat qui est connecté, c'est le distributeur. Avec dispositif de reconnaissance faciale, pour pas nourrir tous les chats du quartier. Balance pour vérifier qu'il va bien, qu'il ne déprime pas pendant vos vacances. Ça vous envoie sur smartphone la courbe de son poids. Mais ça existe vraiment. Enfin, c'est 299$, je crois, sur les meilleurs sites. Vous avez le bikini connecté. Le bikini connecté qui vous prévient qu'il est temps de retourner la viande, peut-être, parce que voilà, y a un capteur UV qui vous dit là, vous avez des robes connectées à votre agenda Outlook pour être sûr que vous n'allez pas aller à une soirée avec la même robe qu'une copine. Enfin. Mais c'est génial, ça. Mais bien sûr, c'est top. Mais voilà. Mais du coup. En face, voilà, les économistes parleraient de rapport coût-bénéfice. Il y a des coûts environnementaux et puis on pourrait dire il y a des bénéfices sociaux, sociétaux, etc. Ben finalement, voilà, où est-ce qu'on met la limite ? Et puis alors évidemment, j'ai pris deux trucs un peu extrêmes, un peu débiles, mais entre les deux, ben, il y a toute la gamme de finalement de quoi on a vraiment besoin ou pas. Et est-ce que effectivement, ce monde qui continue à se numériser, cette logique en fait de citoyens qui sont
devenus, enfin, nous sommes devenus quelque part de plus en plus exigeants. Hein, c'est finalement, si imaginez que vous descendiez dans le métro et que vous n'ayez pas l'arrivée, voilà, en minute du prochain métro, on trépigne tous, quoi, parce qu'on a été habitué à avoir une information voyageur de grande qualité ou je sais pas quoi. Oui, bon, enfin, peut-être l'exemple n'est pas bien pris, mais si vous voyez ce que je veux dire. Et alors que finalement, il y a eu un monde où il y avait juste plein de métros, peut-être même plus qu'aujourd'hui, et bon, bah voilà, on ne savait pas quand il arrivait, mais à l'oreille, il n'allait pas tarder à arriver. Voilà, donc c'est un peu cette idée de discernement technologique, voilà, et je pense que du coup, bah, aujourd'hui, par rapport, par exemple, à l'arrivée le tsunami, ou le mini-tsunami, ou le semi-tsunami, je ne sais pas, de l'IA générative, bah, voilà. Franchement, si c'est pour faire la liste des courses, la liste des menus de la semaine et la liste des courses, parce que maman est en burn-out et que la charge mentale est importante, ou papa d'ailleurs, voilà. Bon, bah voilà, à quoi bon, quoi ? À quoi bon faire tourner les data centers à le bout de la planète pour ça, quoi ? Voilà. Merci beaucoup. Petite question qui n'était pas prévue, si tu me l'autorises. Ouais. Comment l'humanité, quelle est ta vision des choses sur comment on peut faire en sorte que l'humanité arrive à faire ce discernement technologique, arrive à s'assagir, à quitter finalement, quand je vois mes deux garçons à fond sur leur téléphone tout le temps, on est en fait complètement pareil à l'échelle de l'humanité. Comment faire pour ralentir ? Quelle est ta vision des choses, tes convictions là-dessus ? Quelles sont tes convictions ? Alors, du coup, je prends une précaution, c'est qu'à partir de là, du coup, on est rentré dans une autre gamme, et la gamme, c'est un avis de citoyen qui vaut ce qu'il vaut, parce que je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas politologue, sociologue, rien de tout ça, je suis juste un bourrin d'ingénieur. Donc, pour vous parler de ce qui se passe dans un smartphone et comment ça va se passer en recyclage, je vous garantis ce que je vous raconte, mais pour vous dire ce qu'il faut faire, voilà, pas sûr, et donc me donnez jamais le pouvoir, parce que j'enfile tout de suite ma veste kaki et ça va mal se passer. Quelques pistes. La première, c'est que je pense que moi, je suis pas d'accord avec le fait que tout ça s'est profondément ancré dans notre humanité. Que finalement, il y a l'histoire du striatum et tout ça, vous voyez, et puis que finalement, il y a la dopamine et qu'on consomme et on adore consommer, on est des gros bourrins, et plus on consomme. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on n'est pas juste des animaux dopés, on est justement des animaux politiques, disait, je ne sais plus, Aristote sans doute, et que du coup, on a une capacité à avoir une surcouche et une capacité de discussion. Et il y a eu des moments de l'humanité, pour le coup, on a prouvé, fugacement certes, et à certains, peut-être seulement certains endroits de l'humanité, je ne sais pas, que ce n'était pas forcément le toujours plus qui était mieux. Quoi. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, consommer toujours plus, aller en vacances. Etc. Il y a eu des moments, par exemple, dans la Grèce ancienne, la philosophie, les vertus cardinales dans la Grèce ancienne, une des vertus cardinales, c'était la tempérance. La tempérance, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est l'inverse de l'hubris. L'hubris, c'est la démesure. Donc l'idée qu'en fait, il fallait plutôt restreindre quelque part ses besoins, ses envies, l'envie qu'elle a besoin, vous me direz, mais voilà, pour finalement avoir une vie bonne, avoir une vie heureuse. Un peu l'idée de Rousseau aussi qui disait pour être heureux, il suffit d'aligner ses envies avec ses capacités. Alors c'est un peu dangereux parce que ça invite pas trop à se dépasser, mais bon, vous voyez un peu cette idée que finalement, bah, on s'auto-manipule. Quand je dis on, d'un point de vue systémique, c'est dans les journaux, dans les influenceurs, les machins. Alors effectivement, maintenant, avec des moyens démultipliés qui sont le smartphone et autres, bon, bah, c'est qu'on se dit c'est vachement bien de partir en vacances à Dubaï, d'avoir sa piscine privée, de faire des allers-retours à New York pour aller manger une glace et je sais pas quoi. Et en fait, bah non, c'est pas forcément un fondement de l'humanité. Un autre exemple, je sais pas, en Mélanésie, en Océanie, en Mélanésie surtout, les big men, donc les gens, ceux qui étaient les plus respectés, les grands hommes dans les villages, c'était pas les plus riches, c'était souvent les plus pauvres en fait, parce que pour être respecté, il fallait tout donner, il fallait passer son temps à offrir des cadeaux partout autour de soi, et en fait finalement, la capacité à être reconnu par les autres, c'était la capacité à donner.
Il y a eu un peu de ça dans l'Empire romain, mais il faut faire attention avec les exemples romains. Mais il y avait ce qu'on appelle l'évergétisme, où les riches étaient obligés de payer. Ils payaient des fontaines, ils payaient des jeux, ils payaient des aqueducs, ils payaient des routes, voilà, pour se faire élire. Bon, c'est pas terrible, mais et puis ils avaient piqué le pognon à plein d'autres, hein, dans des provinces lointaines. Mais il y avait cette idée un peu de redistribution systématique des plus riches. Bah, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas respecté parce que vous avez une capacité à donner un maximum. Vous êtes respecté parce que vous êtes super riche, donc vous avez pris un maximum. Voilà, c'est des exemples comme ça. Donc je pense que pour moi, il n'y a pas d'inéluctabilité, pardon, c'est dur à dire. De ce point de vue-là. Après, il y a la question du système économique. Effectivement, on est dans un système économique compliqué qui oblige à la croissance. Qui oblige à la croissance parce que personne n'a envie de ne pas faire de croissance. Dans une entreprise, vous voulez faire de la croissance, l'État veut qu'il y ait de la croissance, etc. Et d'ailleurs, on ne sait pas finalement est-ce que mon techno-discernement y fonctionnerait. On ne sait pas trop, en fait, parce que finalement, imaginons qu'on dise, bon, j'ai envie de garder les microprocesseurs et donc la gravure nanométrique à Taïwan, je ne sais pas quoi, parce que je veux garder des IRM, des scanners, et puis je ne sais pas quoi, quand même quelques téléphones qu'on change moins souvent, mais quand même pour appeler les pompiers, c'est pratique. Ben, en fait, finalement, aujourd'hui, le prix de l'IRM, il dépend, il est mutualisé, tous les coûts de développement, tous les coûts des usines, tous les outils industriels, ils sont mutualisés avec les centaines de millions de smartphones, d'ordinateurs, etc., qui sont vomis chaque année dans des usines. Et si j'ai pu cette partie-là, parce que je dis c'est génial, je vais faire durer mon téléphone pendant 10 ans et mon ordinateur pendant 15 ans, parce qu'on rentrera dans un monde, dans un âge de la maintenance, dans un monde où on répare, on a des trucs modulaires, on est capable de l'ouvrir, de changer seulement une pièce, etc. Eh bien, finalement, est-ce que je peux conserver les IRM au même prix, ou en tout cas, quel est le système économique que j'arrive à mettre en place dans une logique comme ça? C'est pas vrai que dans l'informatique, hein, on pourrait dire, est-ce que je peux demain avoir des usines de roulement à billes pour continuer à faire des vélos si j'ai plus des millions ou des milliards de voitures, de voitures à fabriquer chaque année? Est-ce que je peux conserver quelques PME qui fabriquent des grues si je construis beaucoup moins parce que finalement j'ai des millions de logements sous-occupés ou vacants. Voilà, donc c'est cette idée-là. Mais je pense que quand même, il y a des pistes qui sont intéressantes. Il y a la piste d'une innovation qui n'est pas seulement technique, d'une innovation qui est sociale, qui est sociétale, qui est culturelle, qui est organisationnelle. Hein, donc voilà, le monde du zéro déchet où je ramène mon emballage, il est lavé, je ne sais pas quoi, ce n'est pas un monde de l'innovation technologique, c'est un monde de l'innovation organisationnelle. Il faut mettre des entreprises qui vont être autour de la table, un logisticien, des transporteurs, des embouteilleurs, des consommateurs, voilà, et tout ça, pour que ça fonctionne, c'est l'innovation sociale quelque part. Donc il y a cette idée-là, et puis peut-être qu'il faut effectivement aussi une innovation politique et économique aussi. Voilà. Et là, on est très timide. Et ça, c'est assez marrant parce qu'on revient complètement dans le monde de Francis Bacon, donc au XVIIe siècle. Donc Bacon, donc, qui incitait à faire de l'innovation technologique. Alors, il n'employait pas ces mots-là, mais c'était cette idée-là. Et puis, dans d'autres ouvrages, il disait par contre, alors tout ce qui est innovation autre que technique, là, c'est trop dangereux. Ça fait des révolutions, c'est vraiment pénible, les innovations sociales et tout. Et même d'ailleurs, les innovations à l'époque, sans doute, un siècle avant, il y avait les guerres de religion. Et puis au XVIIe, il y avait encore pas mal de problèmes avec ça. Donc l'innovation, par exemple, d'un point de vue religieux, était punie de mort dans certains pays. Hein, il y avait des édits comme ça. Donc il fallait innover dans la technique, mais surtout pas dans tout le reste. Et en fait, je trouve qu'on est resté comme ça. On est resté dans cette logique, en fait, on est dans une société qui a peut-être presque une nouvelle religion, la religion de la tech, on pourrait dire, hein, qui a tous les codes de la religion. Il y a le lieu saint, c'est la Silicon Valley, il y a les grands messes, le Consumer Electronic Show, il y a les oracles, les grands prêtres, dont on va commenter, dont le bas clergé va commenter sur Twitter l'ensemble des trucs. Il y a tous les codes, en fait. Et si vous êtes contre l'innovation ou contre la dépense d'argent public pour soutenir l'innovation, etc., vous êtes un hérétique, donc littéralement. Donc moi, je suis un peu un hérétique. Je me permets d'être hérétique parce que j'ai fait une école d'ingénieur et je les emmerde. Mais du coup, si j'étais pas ingénieur, j'aurais du mal à avoir ce discours-là parce que je serais pas comme il faut. Donc c'est un peu cette idée-là. Et bien, dans ce monde qui glorifie l'innovation, s'il s'agit de faire une innovation fiscale, un test politique, je sais pas, prenant la convention citoyenne sur le climat ou autre, on est bon, là, on est bien. Voilà, très bien. Dans ce monde-là, en fait, on est au contraire très frileux, très craintif sur toute innovation possible autre que technique. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire ça. Et puis en plus, moi je rajouterais à ça que pour moi, l'être humain n'est pas un innovateur.
je disais tout à l'heure, voilà, le striatum et tout, j'y crois pas trop. Moi, je ne pense pas que fondamentalement l'être humain soit un innovateur. Ça, je reprends la thèse d'un grand monsieur qui s'appelle Lewis Mumford, qui écrivait dans les années 60. Voilà, ça, voilà, je dirais voir si vous voulez. L'âge de la machine, ça s'appelle, je crois. Et donc, lui, en fait, il disait que l'être humain, en fait, il avait été sélectionné au paléolithique sur sa capacité à imiter. Le roi Gourand disait ça aussi, hein, d'ailleurs, hein, le grand préhistorien. Cette idée qu'en fait, à un moment, on avait un fragile capital technique. J'étais pas là, hein, mais donc c'était comment on tapait sur un silex, comment on cousait quelques peaux de mammouth et je sais pas quoi. Et qu'après, bah, y avait des moments un peu compliqués, hein, les glaciations, tout ça, oulala. Et donc, en fait, ce qu'il fallait, c'était préserver un très fragile capital technique en étant très peu nombreux. Et si on perdait un truc, fallait mieux ne pas prendre le risque d'innover pour ne pas perdre le fragile capital technique. C'est un peu l'idée. Alors moi, j'ai traduit ça d'un point de vue darwinien. Ça veut dire que si vous tapez sur les silex, pas comme papa ou maman, eh ben, vous faisiez défoncer le crâne et vous ne reproduisiez pas. Et ça donne quoi? Ça donne en fait le fait que l'être humain n'est pas un innovateur. L'être humain est avant tout un formidable coopérateur et un formidable imitateur. En fait, c'est ça, finalement. On n'innove pas, on imite les autres. C'est la logique aussi de la rivalité mimétique, vous savez, de René Girard. C'est-à-dire que dire quand on fait quelque chose, eh bien, tous les autres vont imiter. Et ça, je pense que c'est un ressort aussi très intéressant, parce que justement, voilà, on vit dans des codes où on imite des gens, on se sert finalement de cette capacité d'imitation, et non pas d'innovation. Alors après, une fois sur 100, une fois sur 1000, il y en a qui innovent, hein, c'est super, allons-y, et imitons-les, quand ils innovent dans le bon sens. Mais que, voilà, finalement, on pourrait tout à fait imaginer de déployer ces ressorts-là au service, quelque part, d'une transition juste et réelle. C'est ce fameux point de bascule social. Il faut qu'on arrive à avoir des early adopteurs de certaines choses pour que les autres imitent, entre autres, bien sûr. C'était ma petite phrase de transition pour... je crois qu'il est temps de passer aux questions-réponses du public. Donc, profitez-en. Est-ce que certains ont des questions là-bas, au milieu? Bonjour. Petite question, du coup, si la croissance du PIB est totalement corrélée à la croissance des ressources, et qu'il faut arrêter d'avoir une croissance des ressources, du coup, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir une croissance générale, est-ce que le système capitaliste, il peut marcher dans ce cadre-là? Et si le système capitaliste ne marche pas, est-ce qu'il y a d'autres systèmes alternatifs qui font des preuves ou sur lesquels il y a des expériences dans les quatre coins du monde? Bon, alors pareil, hein, je suis pas un économiste du coup, mais donc oui. Alors petite précaution, c'est de tout à l'heure j'ai pris volontairement donc le PIB mondial et la croissance d'extraction mondiale de métaux, de ressources. Après, on pourrait essayer d'aller regarder pays par pays ou région par région, parce qu'il y a quand même une bonne partie de cette croissance qui a été aussi un rattrapage d'urbanisation, d'industrialisation, de numérisation de grands pays en Asie, à commencer par la Chine, mais pas que. Mais effectivement, même dans un pays comme la France, on pourrait dire c'est super, je sais pas quoi, bah en fait, oui, on consomme quand même de plus en plus aussi d'un certain nombre de ressources, mais plutôt sous forme de produits importés ou autres. Bon. Cette précision étant dite, donc oui, aujourd'hui, même dans l'énergie, même dans le CO2, on arrive à faire un peu de découplage relatif, mais pas de découplage absolu. Il n'y a pas aujourd'hui de PIB qui monte et de CO2 qui baisse. Quand il baisse avec le bilan des imports-exports. Et puis il peut baisser une fois, effectivement, si je remplace une centrale à charbon par une centrale à gaz, par exemple, je fais un gros gain, donc des pays qui étaient très charbonnés, par exemple, qui sont passés à beaucoup plus de gaz et ou d'énergie renouvelable, ils ont réussi à faire un gap. Mais ça, tu fais le coup une fois, tu vois, t'enlèves la tranche de jambon, puis après, t'es à l'os. Et une fois qu'après, tu veux passer de la centrale à gaz à autre chose, ça devient plus compliqué pour plein de raisons. Je ne dis pas que c'est impossible, ça devient plus compliqué. Donc oui, je pense qu'il faut inventer un monde de post-croissance au sens du PIB. Alors je ne sais pas s'il faut casser l'indicateur ou tout. Il y a plein de gens, c'est un peu le serpent de mer, hein, la question des indicateurs, de bonheur et de santé économique et de santé humaine dans le PIB. Mais il faudrait inventer ça. Aujourd'hui, hélas, il n'y a pas vraiment d'économie de la post-croissance. Tu as des économistes un peu normaux, quoi, enfin mainstream, un peu, voilà, plutôt libéraux, avec plus ou moins de sous-tendance. Et puis, tu as
plutôt des néo-keynésiens ou des à tendance marxisante, éventuellement, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais tu vois, qui vont être plus sur plus de choses planifiées. Donc, c'est plutôt des questions de est-ce qu'on laisse faire le marché plus ou moins, est-ce qu'on subventionne plus ou moins, quels sont les types de fiscalité, de redistribution pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, pour accélérer le déploiement des ENR, des énergies renouvelables, pardon, etc. etc. Mais il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait d'école aujourd'hui d'économie de la post-croissance qui se dit tiens, bah, dans un monde en contraction, comment est-ce qu'on paiera les retraites, ça marche comment, la redistribution, etc. Je pense que c'est un peu le désert à date, parce que ça n'intéresse pas grand monde aussi de financer ça, sans doute, pour l'instant, ni d'un point de vue de la puissance publique, ni d'un point de vue des privés. Quoi. Merci beaucoup. Ça fait quelques années que je vais dans toutes les conférences qui peuvent parler de sensibilisation aux impacts environnementaux et j'ai donné des confs sur le sujet aussi. Et là, j'en suis au stade où je me demande si en fait on ne devrait pas donner dans les événements comme la Flocon, mais les Agile Tours, etc., des conférences justement de sociologie, de politique, parce qu'en fait on commence à être bien sensibilisé sur les impacts, il y a la fraise du numérique, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous l'avez donné dans d'autres événements pour des professionnels comme nous de l'IT, mais là je commence à me dire qu'en fait... On en revient finalement à la fin de la discussion que j'ai trouvée très intéressante en fait, quand vous avez échangé sur c'est quoi votre vision et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et là, moi j'en suis au stade de me dire, mais en fait, faudrait qu'on parle vraiment d'économie, parce qu'on n'est pas assez formé sur le sujet. On est des professionnels, on a de grandes responsabilités parce qu'on gagne de l'argent pour être dans la tech. Et donc, pour moi, il y a de la formation à faire sur ce sujet-là en fait. Je sais pas... Alors les organisateurs de la Flocon, est-ce que on est prêt pour passer du côté politique des choses? En blague économique déjà, c'est peut-être moins clivant. Tu veux répondre quelque chose ou si, je pense que, enfin, je, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, mais l'idée c'est surtout que si ça vous donne envie de le faire, ben allez faire de la politique. Je vous souhaite bien du courage, mais par exemple faire des cercles de discussion, il y a des tas de choses qui se passent dans le milieu de l'écologie. Et je suis très engagée dessus, c'était vraiment ouais, voilà. Mais donc, dans ce système, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Parce qu'au final, on finit toujours par en discuter de ça. Et donc ça me posait question, quoi. Juste de votre avis comme ça, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, vraiment. Non, mais alors oui, j'ai fait quelques événements comme ça, mais c'est pas mon couloir de nage principal, c'est sûr. Et puis surtout, je suis pas conférencier à plein temps, donc... Bon, je pense que quand même, voilà, comme je disais tout à l'heure, cette question de sobriété numérique, elle monte en puissance assez fortement. Et après, on peut résoudre la question de manière plus ou moins cavalière. Hein, c'est-à-dire que les géants de la tech, en gros, leur idée, c'est de dire... toute façon, je me source que aux énergies renouvelables, donc circuler n'a rien à voir. Éventuellement, je peux mettre des petits robots désassembleurs de mes téléphones et tout ça, hein, ouais, de quoi je parle. Donc, c'est vrai que c'est assez vite balayé, parce qu'en fait, ils disent, voilà, oui, je consomme de plus en plus d'énergie, mais je m'en fous, parce qu'en fait, avec l'argent que je fais, en plus, je vous aide à faire des énergies renouvelables, mais même plus que ce que j'en consomme, donc tout va bien. En fait, voilà, c'est une manière un peu cavalière de voir les choses, parce qu'évidemment, tout le monde ne pourrait pas acheter cette électricité verte, parce qu'à un moment, sinon, voilà, la nuit et tout ça, ça serait plus compliqué. Et puis, voilà, et après, il y a plus ou moins de profondeur et d'expérience, mais il y a des choses qui arrivent, hein, enfin, même dans des logiques un peu alors, je ne sais pas si on ne peut pas les qualifier de start-up, mais on voit passer des gens qui essaient de concevoir des téléphones plus modulaires, plus réparables, qui durent plus longtemps. On voit arriver ça sur les ordinateurs maintenant aussi. On voit arriver des opérateurs télécoms qui vous proposent de vous facturer aux données consommées. Comme on voit arriver des opérateurs d'électricité qui aussi vous disent « moins tu vas consommer, plus je vais te payer, enfin, au moins ça va te coûter cher, etc. » Donc on voit arriver des petites expérimentations comme ça, pas inintéressantes. Alors je pense que c'est difficile de convaincre complètement des gens, mais voilà, peut-être pour des ados, des trucs comme ça, on pourrait interdire, d'un point de vue réglementaire, le forfait. Voilà, la notion de forfait, c'est un truc assez étonnant aussi. Hein, finalement, on pourrait se dire, bah, ça n'existe pas pour l'eau, ça n'existe pas pour l'énergie. Pourquoi ça existe dans le numérique, des choses comme ça. Bonjour. Alors,
Je m'accorde 15 secondes de pub parce qu'en fait, demain, je serai à votre place, mon cher Philippe, à 16h35 pour parler de la fin de la loi de Moore. Donc, on est bien. Enfin, merci pour l'intro parce que c'était merveilleux. Fin de la publicité. Et avant de reprendre une activité normale, je vais poser une question à Philippe. C'est quoi le point de bascule possible pour qu'il y ait ce point d'inflexion, enfin, quel est l'événement ou à quoi ça pourrait ressembler le moment où on commence à prendre une autre direction vis-à-vis de la croissance? À quel moment on pourrait... Enfin, c'est quoi le déclic dans la société qui fait qu'on arrête de chercher de la croissance pour finalement aller vers, collectivement vers de la tempérance? Je pense qu'il faut quelque chose, parce que là, moi, ça fait 20 ans que j'écris sur l'écologie, 4 ans que j'ai un podcast sur le sujet, et je vois presque rien qui bouge. Je vois des gens qui s'y intéressent de plus en plus, mais je me dis, il faut quelque chose, il faut un déclic, ça n'a pas été la pandémie, ça aurait pu. Et à quoi ça ressemble, à quoi ça pourrait ressembler ce moment où collectivement on s'est dit, bon, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on décide de changer et qu'on aille dans une direction qui est celle de la tempérance et non plus celle de l'hubris. Ouais, bah, j'ai pas la réponse hein, parce que je suis pas futurologue, donc désolé, je vais décevoir. Mais en fait, je pense qu'il y a des questions de peut-être est-ce qu'il y a des grands mouvements, des grands balanciers de l'histoire, je ne sais pas. Et on pourrait aller chercher par exemple en face de l'ultra-performance. Alors, c'est pas dans la pandémie, mais c'était lié finalement à des désordres consécutifs à la pandémie et puis à une numérisation accélérée de la pandémie. Mais on a vu par exemple certaines industries qui ont été fortement touchées par les difficultés à récupérer des microprocesseurs qui étaient fabriqués essentiellement à Taïwan à ce moment-là. Bon, ça se développe ailleurs maintenant, mais bon, avec des usines automobiles qui remontaient des compteurs analogiques pour sortir les bagnoles, hein, parce qu'ils n'avaient pas assez de puces pour une voiture, ça contient beaucoup de puces électroniques maintenant. Et on pourrait les désenrichir sur plein de choses avant d'enlever la puce. Il y en a une qui est vachement utile, c'est l'optimisation du moteur pour éviter les particules, trop de particules, mais il y en a plein d'autres qui ne servent pas à grand-chose. Donc, entre cette ultra-performance très mondialisée, parce qu'en fait, finalement, on est quand même très exposé aussi à ces chaînes de valeur mondiales. C'est un truc de dingue, hein, parce que ce qui est gravé à Taïwan, c'est avec des machines fabriquées en Hollande, dont les pontes scientifiques sont en Belgique, avec de l'optique suisse et des lentilles américaines. Parce qu'il faut guider le rayon laser quand même au nanomètre près, enfin mieux que le nanomètre près, donc c'est des beaux joujoux. Donc tout ça est très mondialisé. Et en fait, en face de cette mondialisation, et peut-être voilà, d'un siècle qui ne va pas être tellement plus serein, peut-être, je ne sais pas, je le souhaite, mais que le 20e, j'entends d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue des relations, etc., bah, y a aussi cette question de résilience, finalement. Donc on pourrait se dire, bah, tiens, un monde un peu plus low-tech, un monde où on bricole des vélos, où on répare, on sait faire des trucs, il y a des repair cafés partout, il y a vraiment un tissu de PME qui sait bricoler, refaire des choses, bah, c'est un monde où peut-être on subira moins de pénuries, peut-être liées à des événements à gauche ou à droite, quoi. Donc l'industrie de l'hydro... Alors je ne veux pas du tout créer des frayeurs de 2040, hein, donc on y va tranquille, hein, parce que encore enfin, l'être humain est très adaptable, mais je sais pas, l'industrie de l'hydrogène, par exemple, elle est basée aujourd'hui, alors peut-être ça va progresser, mais elle est basée sur les électrolyseurs et les piles à combustible, c'est avec du platine, des platinoïdes. Voilà, bon, bah, platinoïdes, c'est Russie, Afrique du Sud. C'est les deux endroits sur Terre où il y en a suffisamment concentré pour le récupérer. Il faut être copain avec un des deux, ou les deux. Bon, voilà, est-ce que ça sera stable suffisamment longtemps, voilà. Et on peut prendre plein d'exemples comme ça. Et donc, voilà, la question de la résilience, je trouve ça intéressant. La question peut-être, mais alors ça, le problème, c'est que chaque génération se la repose un peu, c'est est-ce qu'on est plus heureux avec tout ça? Et donc, effectivement, on se rend compte aujourd'hui, je sais pas, ouais, la numérisation de l'école, la numérisation de l'enfance et tout, est-ce que ça fait... voilà, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue anthropologique? Là, je me reprojette dans le paléolithique. Finalement, ils sont peut-être un peu normaux, parce que nous, on avait d'autres manières de faire ça. Je sais pas, mais c'est quand même un peu... C'est quand même une expérience à grande échelle, sans filet, quoi. Donc voilà, peut-être que dans les balanciers de l'histoire, ça reviendra. Mais moi, je me suis intéressé à pas mal de textes écrits dans les années 70, par exemple, qui étaient assez innovants, parce que c'était voilà un peu les
post 68 hein, et tout ça. Et puis il y avait un peu encore le plein emploi ou presque, donc je pense qu'il y avait moins de stress. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient plein de trucs un peu n'importe comment, des études de psycho, puis qui finissaient dans des grandes carrières quand même, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui sont ceux qui nous plantent un peu. En fait, finalement, aujourd'hui, on fait presque que réinventer des trucs qui étaient déjà tout écrits. Hein. Donc, en fait, on est presque en train de rattraper du... Alors, contextualisé, bien sûr, avec un monde technologique différent et tout, mais on est presque en train de rattraper, en fait, du chemin perdu dans les années 80-90. Donc, c'est un peu effrayant, en fait, de dire ça. Au moins en Occident. Non. Bon, je pense qu'on aurait... Enfin, des tonnes de questions. Je pense qu'on aurait... Voilà. Mais malheureusement, le time is up. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci.